Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver sur Gabon News. Tout de suite, les titres de ce journal. Le ministre de l'Éducation nationale a récemment renoncé à son poste à la semaine de la rentrée scolaire. C'est important. Malencontreux dû au dossier des récalés du bac. Une décision qui, pour certains, devrait engager la démission du gouvernement et pour d'autres, un acte louable. Dans l'actualité également, on parlera de la nouvelle liste des panthères proposée par le nouveau sélectionneur national et particulièrement le choix de Biyogo Poko, milieu de terrain gabonais blessé depuis plusieurs mois déjà et qui fait débat. La démission du ministre de l'Éducation nationale, je vous en parlais en titre, pardon, Léon Dzouba, a été rendue publique hier par Maître Denise Mekane, porte-parole du gouvernement gabonais, une démission qui fait couler beaucoup d'encre et de salive. Comment l'a-t-on accueilli? C'est un reportage de Martial Tonga et Refus Itouga. Le professeur Léon Dzouba renonce à ses fonctions de ministre de l'Éducation nationale. Une démission qui est appréciée par les étudiants qui ont élu domicile pour un laps de temps devant l'Assemblée nationale gabonaise. Lorsqu'un ministre est désavoué, objectivement, il doit déposer sa démission. Maintenant, la démission du ministre de l'Éducation nationale doit entraîner aujourd'hui la démission de tout le gouvernement parce que c'est une responsabilité collégiale. Ce n'est pas la responsabilité d'un individu, mais on parle de la responsabilité du gouvernement qui a été mise en cause. Qualifiée comme un acte de bravoure, la démission du professeur Dzouba est ici saluée, mais on déplore néanmoins qu'il soit vilipendé. Le ministre de l'Éducation nationale a pris la décision qu'il fallait dans une situation comme celle-ci. Lorsque on est en responsabilité et que l'on prend des engagements, si on n'est pas en mesure de tenir les engagements qu'on a pris, il faut tirer les conséquences. Et je crois qu'en tirant les conséquences, il pose un acte d'honneur. Et ça n'engage que sa personne. Maintenant, ce que je déplore, c'est que quelques heures après qu'il ait démissionné, qu'on ait déjà commencé à lâcher les chiens pour l'insulter, pour le vilipender, c'est grave. Le professeur Dzouba a-t-il été désavoué par le gouvernement? Aurait-il démissionné de son propre chef? L'avenir nous le dira sans doute. Profitant de la rentrée parlementaire qui a eu lieu ce lundi 1er septembre 2014, les bacheliers du bac de la session 2013 sont allés faire un sitting devant le palais de l'Assemblée nationale pour exprimer leur mécontentement. Ils espèrent que les élus du peuple écouteront leurs revendications et les prendront en compte. C'est un reportage de Cornelia Soka, Martial Tonga et Refus Itouga. Ils sont au total plus de 600 bacheliers à réclamer le paiement de leur bourse et seulement quelques-uns d'entre eux sont venus faire un piquet de grève devant l'hémicycle du palais Léomba pour demander aux représentants du peuple de plaider pour le paiement de leur allocation. Cette allocation d'études qu'ils attendent depuis l'année dernière mais qui, jusqu'ici, semble ne pas venir. Profitant donc de la rentrée parlementaire, ils n'ont eu d'autre choix que de l'assiéger. Nous avons décidé simplement aujourd'hui de venir faire un piquet de grève auprès de l'Assemblée nationale pour exprimer notre mécontentement. Mécontentement à l'égard du traitement que l'on donne à l'étudiant jusqu'au jour d'aujourd'hui sur les différents points de revendication. Bon, les bourses n'ont toujours pas été payées aux étudiants. La question des exclusions demeure et le Parlement qui ne réagit pas aussi. Ces étudiants lésés dans leurs droits n'ont d'autre souhait que... Tout à l'heure, là, le président de l'Assemblée nationale a délégué un attaché. Cet attaché parlementaire nous a fait comprendre qu'il était question, que le message est passé. Qu'il était question pour nous demain de déposer notre mémoire afin qu'il puisse nous recevoir, pour qu'on puisse en débattre. C'est sous cet accord-là que nous nous sommes quittés. Les deux chambres du Parlement, l'Assemblée nationale et le Sénat, restent pour ces étudiants lésés de la session 2013 la seule voie de recours au règlement de cette crise. Les grévistes de la faim qui ont élu domicile à la cathédrale Sainte-Marie de Libreville ont reçu la visite de Mac Djoktan. Une visite pour ce dernier de l'opposition gabonaise est une marque de solidarité. C'est un reportage de Martial Tonga et Refus Itouga. L'évêque Mac Djoktan est venu lui aussi rendre visite aux élèves, étudiants, instituteurs et anciens agents de la CNSS qui ont élu domicile devant la cathédrale Sainte-Marie depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois déjà. Puis disons que je suis rentré il y a quelques jours seulement et j'ai voulu venir toucher du doigt personnellement la situation des Gabonais qui sont rassemblés ici. En fait, je vois bien que la souffrance
du Gabon en général, s'exprime par la présence de toutes ces personnes qui représentent différents secteurs de la société. Solidarité oblige, comme bien d'autres personnalités avant lui, Mac Joktan a voulu par ce geste exprimer son soutien aux grévistes qu'il estime être dans leur plein droit. Donc je suis là aujourd'hui pour les recaler du bac, discuter avec eux, comprendre un peu plus profondément quelle est la situation et puis exprimer mon soutien parce que je suis solidaire de tous les Gabonais qui souffrent et qui aspirent à quelque chose de meilleur. Les grévistes de la faim restent déterminés. Ils ont foi de ce que les solutions seront trouvées à leurs différentes revendications et que leurs prières seront exaucées par la Sainte Vierge Marie. La rentrée scolaire 2014-2015 sonne à nos portes et les membres de l'association ELA, Solidarité en langue fan, sont en pleine activité pour récolter quelques fournitures scolaires auprès des personnes de bonne foi afin d'aider les familles économiquement faibles. Patrick Charfery, Martial Tsonga, Refu Itoga. Venir en aide aux enfants démunis en leur apportant des fournitures scolaires pour la rentrée des classes qui se profile à l'horizon, tel est l'objectif que vise l'association ELAT qui signifie solidarité en langue fan. On a la possibilité d'aller à l'école avec un sac, il y en a qui n'ont pas la possibilité. On essaye de penser à eux et essayer de nous aider à pouvoir les aider. Le but est de recueillir devant les magasins de la part des personnes de bonne volonté des articles divers pouvant constituer un trousseau scolaire, une gomme, un cahier, des stylos, etc. qui seront par la suite remis aux enfants en difficulté. On a remarqué qu'il y a beaucoup d'élèves qui n'arrivent pas à aller à l'école ou qui partent à l'école mais qui n'ont pas d'instruments, ils n'ont pas de kit scolaire, ils n'ont pas de cartable. Donc voilà pourquoi je suis là aujourd'hui, pour essayer de récolter un maximum de fournitures scolaires et afin de pouvoir les redistribuer. Plusieurs clients de ce magasin trouvent cette opération louable, même si certains restent un peu sceptiques. Dans la rue, quelqu'un vous demande quelque chose, vous donnez, mais vous ne savez pas la suite que cela va avoir. C'est ça le grand problème avec les ONG. C'est une très bonne idée. Il y a beaucoup d'enfants qui ne savent pas comment commencer la rentrée scolaire. Donc moi, je trouve que c'est une très bonne initiative et je vous encourage d'ailleurs. Est-ce que vous êtes prêt à contribuer ? Bien sûr, je vais en acheter là d'ailleurs et en sortant, je laisse quelque chose. L'association ELAT, qui vient de démarrer cette opération, compte s'étendre dans la majorité des magasins de la capitale. C'est ce week-end qu'a été dévoilé dans un hôtel de la Place le Georges Costa, le nouveau sélectionneur national des Panthères du Gabon, de la liste des joueurs retenus. Ces joueurs formeront donc l'équipe qui va disputer les rencontres des 6 et 10 septembre prochains, comptant pour les éliminatoires de la CAN 2015 au Maroc. Plus de détails avec Marvin Beryl. 27 joueurs au total ont été retenus par le nouveau sélectionneur national des Panthères du Gabon, Roré Costa, pour disputer les rencontres du 6 septembre à Libreville face à l'Angola et le 10 septembre au Lesotho, comptant pour les éliminatoires de la CAN Orange Maroc 2015. La liste a été dévoilée face à la presse dans un hôtel de la Place par le technicien portugais, accompagné de Serge Ahmed Mombo, intendant des équipes nationales, et Daniel Cousin, manager des équipes nationales. Emmanuel Ndong Mba. Erwin Ngema, Georges Mbouré, Milieu, Poco, Ibrahim Ndong, Mbingi, Levi Madinda. Malgré le peu de temps qu'a eu Roré Costa pour constituer son équipe, il envisage faire un 2 sur 2 afin d'engranger les 6 points des deux rencontres. Je sais que je n'avais pas beaucoup de temps pour travailler et pour voir tous les joueurs. Mais ce que je peux dire, c'est qu'avec 7 joueurs, on va jouer 2 matchs. Et ce que je veux, c'est 2 matchs. 3 points, 3 points, 6 points. Et c'est avec cette chose qu'on va faire ça. Les rendez-vous sont donc pris pour les 6 et 10 septembre prochains pour l'entrée en matière du technicien portugais. Bien que n'étant pas encore remis de sa blessure, Biogo Poco, André sera parmi les 27 joueurs appelés par le nouveau sélectionneur national. Après la présentation de la liste, le manager des équipes nationales s'est exprimé d'ailleurs par rapport à ce cas. Marvin Beryl. Milieu. Poco.
Convoqué parmi les 27 joueurs qui disputeront les rencontres des 6 et 10 septembre prochains, André Biogopoko, qui ne s'est pas encore remis totalement de sa blessure, sera bel et bien présent à Libreville et au Lesotho. Par rapport à ce cas, le manager général des équipes nationales s'explique. Moi, j'ai eu au téléphone les dirigeants de Bordeaux, en fait, qui m'ont signalé sa blessure. Donc, ça sera au docteur de l'équipe nationale de juger, savoir s'il est apte à jouer ou pas pour le premier ou le second match. Mais ce qui est important, c'est qu'il continue les soins. Quand il va arriver ici, il sera obligé de continuer un programme de soins. Donc c'est très important qu'il vienne aussi parce qu'il y a un nouveau coach, il y a un nouveau staff technique et il faut qu'il vienne aussi prendre contact avec le groupe. C'est très important. Espérant que tout ira bien pour le milieu de terrain gabonais sociétaire des Girondins de Bordeaux, qui est une valeur sûre de ce 11 national. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir regardé. L'info se poursuit sur www.gabonews.com. Je vous souhaite à tous une excellente soirée. À demain.